Écoutez, si on s'en tient strictement au texte de loi, non, on la comprend pas. Les garanties de représentation, les risques de mettre pression, d'exercer une pression sur les protagonistes de l'affaire, le risque de trouble à l'ordre public, le risque de concertation. Enfin, on le comprend pas puisque pour nous, aucun alinéa n'est rempli. Et si on nous parle de risque de concertation, on a quand même 3 policiers qui, eux, sont laissés libres sous contrôle judiciaire. Donc l'excuse de la concertation, en fait, ne passe pas. Et puis, entre nous, on ne parle pas de banditisme. On parle de policiers qui ont agi dans le cadre de leur fonction. Qu'après la justice se prononce et condamne le geste, c'est une chose. Mais de là à croire que des policiers... Enfin, vous pouvez comprendre que nous, en tant que policiers, on peut très mal prendre... qu'il puisse passer par l'esprit d'un magistrat l'idée que des policiers aillent exercer des pressions sur les victimes ou se concerter comme des bandits. Et tous les jours, on voit des cas qui mériteraient la détention provisoire et qui ne partent pas en détention provisoire. Alors que pour des policiers, on arrive à trouver des matelas. Allez, et en même temps, on nous parle de surpopulation carcérale. C'est difficilement compréhensible. Linda Kebab, outre le risque de concertation entre les 4 policiers impliqués, il y a aussi l'usage de la force qui n'était pas légitime selon la cour d'appel. Le policier qui a été maintenu en détention provisoire a reconnu pour la première fois ce matin avoir effectué un tir de LBD. Oui, mais alors que les magistrats, à ce stade de l'enquête, estiment qu'il pourrait ne pas y avoir eu un usage légitime de la force, très bien, c'est le principe même de la mise en examen et de cette instruction. C'est pas une raison suffisante pour le maintenir en détention. C'est pas prévu par la loi, justement. La détention provisoire, elle est prévue dans le cas où il n'y avait pas de garantie de représentation, donc c'est-à-dire le risque de fuite. On est d'accord que ce risque-là, il est très très faible nous concernant. Il y a un risque de concertation entre les personnes. Or, il y en a 3 qui sont libres. Il y a, pour prévenir des risques de troubles à l'ordre public, parce que je vous rappelle que la loi a prévu que des policiers puissent aller en prison parce qu'on a peur que des émeutiers brûlent des voitures. En soi, c'est déjà dérangeant, mais ça existe dans la loi. Et puis, il y a le risque d'exercer des pressions sur les protagonistes. Franchement, on parle d'un policier. Pas du grand banditisme. Donc non, je suis désolée, les motifs que vous venez d'évoquer ne sont pas prévus dans la loi. Le 21 juillet dernier, lorsqu'il a été placé en détention provisoire, vous aviez appelé l'ensemble des policiers à se mettre en 5-62, c'est-à-dire assurer seulement les missions urgentes et essentielles. Beaucoup se sont par ailleurs mis en arrêt maladie. Qu'est-ce que vous dites ce soir aux policiers après cette décision? On reprend le travail? Écoutez, nous, on est toujours dans cette véritable incompréhension, on est choqués. On a 2 collègues qui sont placés en détention provisoire. Il y a eu l'affaire de Nanterre, il y a aujourd'hui l'affaire de Marseille. On nous parle de surpopulation carcérale et en même temps, on met 2 policiers dans le cadre de leur fonction en détention provisoire. Notre organisation syndicale, quand on a appelé au 562, on n'a pas associé cet appel à du vide. On a appelé à ouvrir un véritable débat, et notamment législatif, sur le traitement des policiers agissant dans le cadre de leur fonction et qui sont ensuite mis en examen. Sur d'autres thématiques, notamment les magistrats formés à l'usage des armes par les forces de l'ordre et en tout cas dans le contexte dans lequel on agit, l'anonymisation, la protection fonctionnelle, mais aussi cette question de la détention provisoire. Aujourd'hui, on va consulter la base. Beaucoup de collègues, nous le savons, on a des retours terrain, vous doutez bien, quotidien, appellent au maintien du 562. Nous, on a besoin d'ouvrir rapidement un débat sur le traitement des policiers mis en examen. Et évidemment, on va voir avec nos collègues, puisque nous sommes un syndicat, nous allons consulter l'ensemble des policiers sur le territoire français afin de savoir quelle va être la décision à prendre. Linda Kebab, est-ce que oui ou non, vous maintenez ce soir votre appel à poursuivre la mobilisation? Ah mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que pour le moment la mobilisation est en cours et que nous allons d'abord consulter la base pour savoir quelle décision nous allons prendre. Nous avons fait exactement la même chose la première fois, on a pris une décision courageuse, je rappelle, à contrevent de toutes les autres organisations syndicales qui ont refusé de prendre position dans l'affaire, qui avaient refusé de prendre position dans l'affaire de Nanterre. Et donc du coup nous on va consulter la base sur la poursuite, parce que l'intérêt de la poursuite d'une action, il faut atteindre un but. Et donc nous, notre but, au-delà du souhait de ne plus voir nos collègues, nos collègues policiers aujourd'hui en détention provisoire, c'est de rapidement être entendu concrètement, factuellement, après les promesses faites par le ministre, et bien d'être entendu et de voir de manière palpable les promesses qui ont été faites. Et vous pensez vraiment que le mouvement ne va pas s'essouffler? Gérald Darmanin a donné le chiffre de moins de 5% de policiers en arrêt maladie la semaine dernière, un chiffre qui a encore baissé cette semaine. Le mouvement, il s'essouffle? En fait, vous parlez de 2 choses différentes. Vous parlez pas du mouvement. Les arrêts maladie, c'est une chose. Ce sont des policiers qui, aujourd'hui, sont arrêtés par des médecins, des professionnels de santé. Donc, j'ai envie de dire une décision qui ne regarde ni un journaliste ni une policière, puisque nous ne sommes pas des professionnels de santé. Moi, je vous parle du 562. C'est le service minimum. Et lui, en l'occurrence, il a toujours cours dans les services.
Outre cette affaire à Marseille, le ministre, on a entendu vos revendications sur, notamment sur les changements en matière de détention provisoire pour les policiers. Le ministre de l'Intérieur vous a reçu, vous et l'ensemble des syndicats de police, la semaine dernière. Il s'est dit prêt à travailler sur vos principales revendications, et notamment la possibilité d'aménager les règles de détention provisoire comme vous le demandez. Ça ne vous suffit pas, ça ? C'est une chose de promettre. Mais moi, je ne suis que comme mes collègues sur le terrain qui ont entendu beaucoup de promesses depuis des années, des décennies de ministres, et des promesses qui ne sont pas suivies d'effet. On a aussi demandé à ce que la protection fonctionnelle, qui est pourtant prévue dans la loi et qui, dans notre administration, est honteusement défaillante, soit enfin rétablie de manière digne. Alors ça, il l'a à la main. Il nous a garanti qu'à partir de mi-septembre, il prendrait des décisions très rapidement palpables dans notre administration. Mais les promesses, c'est une chose. On peut concrètement ouvrir le débat, faire un projet de loi, une proposition de loi, amender certains éléments législatifs et discuter en tout cas de la situation de policiers qui un matin sortent de chez eux pour protéger la population et qui le soir sont reçus dans le cabinet d'un magistrat instructeur et qui sont traités comme des criminels qui seraient sortis de chez eux pour un acte crapuleux. Et ça, pour nous, c'est pas entendable. Et il faut aussi que dans l'opinion publique, on puisse faire comprendre qu'on ne peut pas traiter un policier qui a une arme dans le cadre de la pacification de la société de la même manière qu'on traite quelqu'un qui a une arme pour commettre un crime. Merci Linda Kebab, déléguée nationale d'unité SGP Police FO. On retient donc votre rapport.